maintenant que je me calme parce qu'il n'y a pas à être excitée comme ça pour une robe en fait. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo haul. Je vais vous montrer ce que j'ai pu trouver sur internet et en magasin. Ceux qui me connaissent très bien savent que les magasins et moi ça fait deux et que j'achète toujours sur internet, mais là étant donné que c'est la période des soldes, je me suis dit pourquoi pas faire un petit tour en magasin et j'ai trouvé des petits trucs assez intéressants, donc je vais vous montrer tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur mon Instagram, on va commencer tout de suite. Il y aura une vidéo des tenues portées juste ici. Donc il y a du Bershka, Shein, AliExpress, Zara, NYX, Pull&Bear, si j'ai pas oublié d'autres trucs, enfin bon bref. On va commencer par Zara. Alors à Zara j'ai pris deux t-shirts, donc j'ai pris des trucs assez simples. C'était vraiment très très coloré hein. Quand je suis rentrée à Zara, il y avait du rose, il y avait du vert. Vraiment cette saison c'est la mode, en tout cas cet été, les couleurs et tout. Je sais pas si vous avez remarqué, même sur Instagram les gens ils s'habillent que comme ça. Alors j'ai pris un t-shirt simple parce que j'ai pas de t-shirt simple comme ça. Je commence bientôt le travail, donc il me faut vraiment des trucs à porter. Donc j'ai pris un t-shirt sans manches en noir, donc celui-là je l'ai pris en M. Il m'a coûté 7,95€, donc je vais tout vous mettre à l'écran, soit en barre d'information. Donc j'ai pris le même en blanc, comme ceci. Donc il n'est pas trop court, donc moi je voulais pas un truc crop top hein, parce que c'est pour le travail, donc je voulais un truc assez assez raisonnable. Donc lui je l'ai pris en taille S parce que il n'y avait pas la taille S en noir, donc c'est pour ça que j'ai pris en M. Mais voilà, je vois pas vraiment de différence. C'est tout ce que j'ai trouvé à Zara. Pour vous dire que moi c'est très très compliqué de trouver des trucs en magasin, donc quand je trouve vraiment un truc c'est vraiment un miracle. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris énormément de choses parce qu'il n'y a pas vraiment de trucs qui m'ont intéressé. À Bershka j'ai pris un pantalon en taille 40, donc j'ai pris en couleur vert comme ça. Il est super long, avec des talons ça passe nickel. Il m'a coûté 25,99€. En fait j'ai vu à peu près le même sur Shein, mais je vais pas vous mentir, j'ai pas envie d'attendre, donc c'est pour ça que j'ai pris sur Bershka. Après je trouve qu'il est un peu cher quand même pour un pantalon comme ça. Il existe en plusieurs couleurs, j'ai vu en rose, en blanc, en bleu, en marron, en beige, enfin bref toutes les couleurs, mais j'ai pris une couleur comme ça parce que pour sortir un peu de ma zone de confort, et c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, en tout cas pour le moment. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris à Bershka. Alors, ça j'ai pris ça à Pinky. Oui, j'ai été à Pinky et j'ai trouvé un jean comme ceci. J'ai pris en taille 40, donc c'est un jean que j'ai pas l'habitude de porter, mais quand je l'ai essayé, j'ai vraiment vraiment aimé la coupe, la manière dont ça habille et tout. Donc c'était vraiment mon coup de cœur. Je l'ai pris en taille 40. Il a coûté 19,99€. Non. Il coûtait 19,99€, mais il y avait 50%. Donc j'ai payé 7 ou 8€, entre les gens. Donc ça vaut vraiment le coup. Il n'arrive pas jusqu'aux chevilles par contre, mais ça ne me dérange pas forcément, c'est le style que je recherche vraiment. Donc voilà, il est vraiment très 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 beau et c'est dommage qu'il n'existe pas en plusieurs couleurs parce que je l'aurais pris bien sûr en plusieurs couleurs. Donc voilà, c'est tout pour Bershka. Non, qu'est-ce que je raconte, c'est tout pour Pinky. Voilà. On va passer maintenant à Pull&Bear. J'ai pris deux t-shirts pour mon copain et un t-shirt pour moi. Parce que voilà, j'ai profité aussi hein, pour acheter des trucs pour lui. J'ai pris un t-shirt comme ça, avec des bandes comme ça. Donc il m'a coûté 9,99€. J'ai pris en taille M.
Et j'ai pris la même chose en blanc comme ça. Hop. Toujours en taille M et toujours 9,99€. En fait, c'est le même t-shirt. Voilà, je vois pas pourquoi je redonne le prix alors que c'est le même t-shirt. Sauf que c'est pas la même couleur. Voilà. Et j'ai enfin pris un t-shirt pour moi. Donc, c'est un t-shirt simple. Donc, il est assez épais, tu vois. C'est pas quelque chose de fin. Ça se sent. Je l'ai pris en taille 38. Il a coûté 9,99€. Donc presque tous les t-shirts coûtaient 9,99€, hein, chez Paula & Bear. J'ai pris ça dans la partie homme parce qu'il s'avère que Manzel a plein de leggings, d'accord. Leggings verts, leggings bleus, leggings rouges. Voilà, j'ai presque toutes les couleurs, mais j'ai pas de t-shirt pour mettre avec. Et c'est très 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 problématique tout ça. Parce qu'à chaque fois je dis, je me plains enfin de ne pas avoir de t-shirt. Donc là pour le coup j'ai acheté un t-shirt comme ça, un t-shirt simple pour mettre avec mes leggings. Voilà. Et je sais pas pourquoi j'ai pas pris d'autres t-shirts comme ça. Enfin bon, bref. C'est tout pour Paula & Bear. On va passer aux articles que j'ai achetés sur internet. Alors sur AliExpress, c'est la première fois que j'achète sur AliExpress. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est la première fois que j'achète des vêtements sur AliExpress. Voilà, j'ai déjà acheté sur AliExpress, mais pas des vêtements. Et j'ai pris cette robe. Je pense que vous l'avez vue partout, celle-là, vraiment. Il faut vraiment que je me calme parce qu'il n'y a pas à être excitée comme ça pour une robe, en fait. Y a pas à être excité comme ça. J'ai pris cette robe là. Je vais me calmer. Je vais me calmer un petit peu, d'accord, parce que c'est un petit peu abusé. J'ai pris cette robe là, donc je pense que voilà. Tu connais pas cette robe. C'est une longue robe verte comme ça, avec des motifs, tu vois. Elle m'a coûté 14€, je crois, 14,98€. Je l'ai prise en taille M et il y a des bretelles que tu peux resserrer comme ça. Et elle est vraiment trop, trop, trop cute. J'ai même déjà fait une photo avec sur Instagram, donc n'hésite pas à aller regarder, hein, si ça t'intéresse. Et la matière, elle est tellement douce. Je sais pas si ça va vraiment... Non, je pense pas que ça va t'étouffer. S'il fait vraiment chaud, tu vas pas mourir dedans, en fait. Donc, c'est bon. Ensuite, on passe à Shein. Sur Shein... Alors, sur Shein, j'ai pris que des robes. Je crois que je vais refaire une commande, mais ça sera pour après, peut-être le mois prochain. Parce que voilà, lundi il y a un autre truc qui arrive. Enfin, bref. Alors j'ai pris cette robe, donc c'est une robe marron comme ça, marron foncé. Elle est super longue, elle arrive jusqu'au genou, je crois. En taille S, donc tu vois, au niveau de la poitrine, tu vois, ça soutient bien les tétés, tu vois. Et il y a le petit détail au niveau du dos. Comme ceci, donc on voit un peu ta chair, mais pas trop, tu vois, c'est ce qu'il faut. Je vous mettrai tous les prix ici sur l'écran ou en barre d'informations parce que ça fait un petit moment que j'ai commandé les robes, donc je ne me rappelle plus forcément des prix. Ensuite, j'ai pris à peu près la même robe, sauf que je l'ai pris d'une autre couleur et d'une autre taille. Celle-là est en taille M. Et je regrette un peu parce que il y a de l'espace à l'intérieur, tu vois. Je sais pas si tu comprends. En fait, c'est un peu large. C'est un peu dommage, hein, parce qu'elle est vraiment très très belle. Hein. Elle arrive aussi jusqu'au genou. Et par contre, le seul truc, c'est que même avec des cache-tétons, je trouve qu'on voit un peu les tétés. Voilà, c'est le seul inconvénient. Et aussi, ça marque aussi au niveau des cellulites, tu vois, ça des cellulites, si tu as des petits trucs comme ça, des petites imperfections, et bien voilà, ça va les montrer. Ça, c'est très 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 embêtant. Donc, du coup, soit il faut mettre ça avec un legging, tu vois, un legging très fin. Je sais pas si ça va passer, mais
Ma foi, ça montre tout ce qu'il ne faut pas montrer. Mais à part ça, elle est très jolie. Aussi le petit détail dans le dos qu'on aime bien. On montre, mais pas trop. Ensuite, on a cette robe. Donc c'est toujours le même principe avec le dos un peu ouvert derrière. On montre, mais pas trop. La matière est différente. Je ne saurais pas vous dire c'est quoi comme matière, mais elle est différente, c'est tout ce que je sais. elle est un peu plus courte par contre par rapport aux deux autres là. J'ai déjà fait une photo avec sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore, je ne sais pas ce que vous attendez pour le faire. Donc si vous souhaitez, vous pouvez aller regarder la photo sur Instagram. Revenons à nos moutons. Donc j'ai pris cette robe en taille 38 et ma foi c'est très très bien parce que la taille S, et ben ça m'aurait, tu vois, ça aurait été trop, je sais pas, je vais ça, ça aurait été trop serré, voilà. Enfin bon, bref, cette robe je l'adore. Et la dernière robe, alors je sais pas ce que j'en pense. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais j'ai pris une robe avec des épaulettes comme ça. Je l'ai prise en taille 38. Ouais, heureusement j'ai pris 38 hein, parce que 36 aussi, ça aurait été trop. Tu vois. J'aimerais arrêter de faire ça. Elle aurait été un peu trop serrée, voilà. On dit les choses bien. Elle aurait été trop serrée. Elle est vert foncé comme ça. Je sais pas si ça va bien avec la couleur de ma peau. Je sais pas, j'ai un peu de mal avec cette robe. Mais elle est jolie. Mais j'ai un peu de mal, tu vois. C'est un peu bizarre ma phrase. Mais non, en vrai, je sais pas si je vais la porter. Il faut que je la porte puisque je l'ai achetée. Enfin bref, voilà, elle arrive jusqu'au niveau des genoux, donc voilà, elle remonte pas. Aussi, toutes les robes que je vous ai présentées ne remontent pas. Ça, c'est très important parce que on en a marre, d'accord, de marcher et à chaque fois de baisser les robes comme ça, c'est très chiant, c'est très embêtant. Donc là, c'est vraiment un très bon point, les robes ne remontent pas. Et c'est une matière aussi qui est épaisse. Très épaisse, non pas très épaisse, toi je suis toujours dans l'excès, toujours dans l'abus. Ce n'est pas une robe très épaisse, mais plus épaisse que les robes que je vous ai présentées tout à l'heure. C'est tout pour les vêtements, enfin. Je sens que je vais vraiment transpirer hein, pour les essayages, parce que j'ai pas encore essayé les vêtements. Enfin, pour le montage en tout cas. Pour celles et ceux, je sais pas s'il y a des gens qui regardent nos vidéos. Mais pour celles et ceux qui habitent à Nantes, j'ai été dans celui qui habite à Bretagne. Mais qui habite à Bretagne? Non, qui se situe à Bretagne, voilà. Ils vont fermer la semaine prochaine, donc il n'y avait pas énormément de choix. Et tout était à moins 50%, moins 70%, donc ça c'est vraiment cool. Du coup j'ai pris un gloss comme ceci avec effet repulpant. Comme ça, je voulais prendre plus de rouge à lèvres, tout ça, mais il n'y avait pas grand chose, tu vois. C'est pas énormément de choix, donc j'ai pris que ça et j'ai pris une poudre de finition pour fixer le teint. Donc, la dame m'a dit que ça fait pas d'effet blanchâtre ni des effets bizarres, c'est vraiment une poudre transparente. Donc j'espère vraiment que la dame a raison parce que ça va m'embêter. Parce que je me rappelle la dernière fois j'avais été à NYX et j'avais demandé une poudre pour fixer le teint. Et bien la dame m'a donné une poudre, un fond de teint en poudre. Donc, bref. Du coup, voilà, je réfléchis, est-ce que j'ai rien oublié? Non, je pense pas que j'ai oublié. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire les articles qui vous ont plu, les vêtements que vous avez vraiment aimés.
à me suivre sur mon Instagram, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et nous, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Bisous.